Bon, je vous fais des petites stories parce que j'ai besoin de me confier à vous. J'ai mangé qu'une fois hier. Sauf que, parce que le soir, je sais pas, j'étais hyper patraque, envie de vomir et tout. J'avais l'impression d'avoir mangé un truc périmé, j'en sais rien. Ce matin, j'avais pas faim. En fait, je sens mon ventre qui gargouille, mais je n'ai pas faim. Je suis pas angoissée non plus. Je suis peut-être un peu patraque, mais je sais pas ce que j'ai. J'ai pas mangé de la journée. J'ai mangé un ou deux Raffaello. Voilà, de la journée. Là, je dois me faire à manger, il est 21h16, donc je vais le faire pour pas tomber dans les vapes parce que clairement, je sens que j'ai une baisse d'énergie. Mais ça ne m'est jamais arrivé, hormis les fois où je sortais de grosses ruptures, où ça allait absolument pas, où on me foutait une pression monstre, enfin, où vraiment la situation n'était pas du tout au top pour moi. Bon, en vrai, j'ai lu vos réponses. Vous êtes beaucoup à me dire anxiété, stress. De toute façon, je suis une personne anxieuse. Je pense que 90% de mon corps est fait d'anxiété, même si ça va mieux à l'heure actuelle. Je pense que c'était, c'est vrai. Maintenant que je vous lis et le fait qu'il n'y ait pas Anil, il y en a beaucoup qui m'ont dit ton copain qui n'est pas avec toi, ou le fait de manger solo, enfin d'être toute seule et en fait j'ai personne à qui parler. J'avoue que je pense que ça manque. Le truc de l'enceinte là. Non! Et puis en plus je prends plus la pilule. Alors oui, mais par contre je me protège à 2 milliards de pourcents. Il n'y a pas de doute sur ça. Arrêtez de me foutre la pression quoi. I'm so certain that I'm searching for someone that's good to me. We won't even fight. Oh, ça c'est le bonjour du matin. Oui, ma fille. Ma petite brute. Ah non, on mord pas. Eh bien, je suis de retour dans ma story pour vous parler à nouveau de l'organisation de notre mariage. Déjà, merci beaucoup à ceux qui avaient joué le jeu la dernière fois parce que vous nous avez aidés à nous décider sur le lieu. Avec Annie, on était hyper indécis et vous aviez trouvé même d'autres lieux hyper cool que vous aviez laissés dans la petite box. Comme vous le savez, la fois, je vous l'ai dit, on trouve nos prestataires, le lieu, etc. sur mariage.net qui regroupe tous les professionnels du monde du mariage, donc très cool. Et là, on s'attaque aux photographes, un truc hyper important. Et j'ai trouvé deux pépites qui font des trucs vraiment mais insane. Je vous montre. J'aime bien vous expliquer pourquoi j'ai aimé ce prestataire, pourquoi j'ai aimé un autre. Comme ça, moi, ça peut peut-être vous aider pour le sondage et tout et tout. Mais en gros, ce que j'ai adoré chez Aline Rusé, c'est vraiment le fait qu'elle photographie des moments de vie. Selon moi, c'est hyper important pour des mariages, la colorimétrie hyper belle, enfin les retouches photo, etc. Et Manon, donc du coup, l'autre photographe, du coup, c'est deux girls, trop cool. C'est vraiment l'espèce d'esprit vintage sur les photos, vraiment au niveau de la retouche. Et elle prend beaucoup de détails aussi en photo, je trouve ça trop cool. C'est très lifestyle. La dernière fois, quand j'avais mal à la gorge, je suis allée en pharmacie et j'en ai profité en achetant mes médicaments pour choper ça. C'était à côté de la caisse et en fait, quand j'étais petite, ma mère, elle mettait toujours un parfum Roger Galley pour les enfants. Et cette odeur, ça m'a tout de suite rappelé ça. Genre... Du coup, je vous montre à quoi ressemble la box, vous la recevez donc du coup. Comme ceci, elle est hyper agréable, elle est toute douce. Je sais pas comment vous expliquer la matière pour ceux qui la recevront de toute façon. Habillez-vous comme ça, vous pouvez choisir la couleur beige ou noir, je vais vous montrer l'autre après. On a aussi des petites pochettes, comme ici. Ah, ça c'est le bout qui joue avec son petit cochon. Des petites pochettes, je vous envoie les bijoux, sauf que celle-ci c'est une édition du coup limitée pour les fêtes, en couleur beige, qui rappelle cette couleur-là. Et on a la nouvelle carte glacée. Je suis trop contente et trop fière. Pendant très longtemps, du coup, on avait la même pendant un an et demi. Et du coup, on les a changées là. On a mis un petit fer à dorer comme ça. C'est trop beau avec l'équipe glacée comme ça que j'ai écrit à la main. Ensuite, passons au sérieux. Je vais essayer de vous montrer le reste au mieux parce que madame est venue s'incruster entre temps. Du coup, on a ces deux versions pour les box beige et noir comme ça. Il y en a fait quelques petits spoils par-ci par-là pour ceux qui avaient l'œil, vous l'avez peut-être déjà vu celle-ci. Du coup, on a un compartiment ici pour les colliers, etc. Enfin, tout ce que vous voulez, à vrai dire, mais moi je mets les colliers. Ici pour les bagues, ici les petites puces d'oreilles. Vous voyez, ça se présente comme ça et ensuite on peut l'enlever. Et ici, vous pouvez mettre les boucles d'oreilles par exemple qui ne peuvent pas s'attacher ici. Enfin, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et je les trouve vraiment belles parce qu'il y a vraiment plein de petits détails tout mims à la glacée, vous voyez. Oh.
Donc je conseille un petit peu les gens sur YouTube. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. J'enferme ma mère dans le noir et voilà, ça fait 4 millions. Ça c'est super. Hein, mon père est aveugle, voici sa réaction. C'est super, faut que tu continues à faire du contenu comme ça. D'accord? Voilà, bisous à ton papa, sors-le de... Alors bon, et bien après une petite balade avec Mademoiselle Bou, on a fait un petit tour de 1 heure. Je me suis attaquée à mon montage pour une vidéo ASMR ce soir qui sort sur le thème de Squid Game. Ce n'est pas une blague, mais elle va être trop cool.